Ouais, voilà ma poulette. Je vais t'expliquer comment ça marche en vidéo. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais t'envoyer le lien. Je l'ai mis sur, ça s'appelle un compte MyCloud. Hein. Donc, je te l'ai mis là. Jeu PC, il sera là-dedans. Donc là, il est en train de transférer. Il est ici. Donc, dans 9 minutes, ça devrait être bon. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors. Déjà, tout d'abord, il faut télécharger le logiciel qui s'appelle Debontos. Donc, tu vas sur Google. Tu tapes Debontos. Alors, moi, généralement, je prends sur Clubpic. Hein. Enfin, ce site-là, il va bien. Voilà. Tu prends la version gratuite. Télécharger, ignorer, sauf faut faire ça. Voilà. Et tu télécharges. Voilà. Ensuite, tu installes le logiciel, tu fais licence gratuite, installer les drivers, blablabla. Installer. Voilà, tu vois, ça va très très vite. Hein. Licence gratuite. Surtout, là, pas installé parce que il y a Avast. Donc, non, tu vois, tu fais, je refuse. Voilà, donc là c'est bon. Tu lances le logiciel là. Quand tu manges. Bah, j'ai pas dormi la nuit. Mais j'ai mangé une tartine, tout ça. Tout ça. Tu as le droit de te voir là-dessus. T'as pas dormi du tout, du Non, tout. non. À cause de quoi? Je sais pas, j'ai pas dormi. Attends, j'enregistre un truc. Hein. Ensuite, tu vas ici sur éditeur d'image. Attends. Attends. Voilà. Non, il faut aller sur images et disques. Ensuite, tu vas sur montage rapide. Et après, tu vas sur ton dossier de jeu. Téléchargement. Non, c'est pas là. Ou alors non, directement, tu sais ce que tu peux faire? Bon, tu peux le faire soit comme ça. Ou attends. Parce que. De toute façon, voilà, il va apparaître comme ça. Donc tu cliques voilà, sur le fichier, Watch Manifesto, ouvrir. Donc là, il va créer un lecteur virtuel. Voilà, bien voulu te le montrer, le lecteur virtuel. Ah, pause de travail. Tu vois, il apparaît ici. Non, c'est pas celui-là, ça c'est un simulation de vol. Watchdog, voilà, il est ici.
Il t'a créé en fait, et tu peux créer des. Voilà, c'est en fait c'est un lecteur de CD-ROM mais virtuel. Ensuite, tu cliques sur le setup, t'installes, installer. Alors. Bon, là on va mettre sur pause et on reprendra quand ce sera la fin de l'installation.